Bonjour, je m'appelle Hugues Boyenval, j'ai 53 ans et je travaille depuis plus de 4 ans sur un projet d'éolienne à axe vertical. Il y a longtemps que nous voyons des éoliennes à axe horizontal dans nos paysages. Depuis plus de 20 ans, ces géantes fournissent de l'électricité, mais elles connaissent aujourd'hui leurs limites car les réseaux sont saturés. Et puis il y a les micro-éoliennes, celles que chacun rêve d'avoir sur son toit. Elles sont généralement fragiles et assez coûteuses. Leur rentabilité est très improbable. J'ai donc entrepris d'en concevoir une, ni minuscule ni géante, et qui réponde à une demande collective de proximité. Pour cela, j'ai utilisé les outils de CAO-DAO les plus performants, me permettant d'optimiser chaque pièce de la machine et d'obtenir des plans au dixième de millimètre près. Le résultat est une éolienne à axe vertical dont le rotor se ferme automatiquement en cas de tempête. Son stator externe la rend extrêmement solide. Son toit plat d'un diamètre de 8 mètres offre une surface pouvant accueillir un générateur photovoltaïque d'environ 5 kW. Il est aussi possible d'empiler ces machines et d'obtenir des tours d'aérogénérateur. Une maquette à l'échelle 1/8 a été réalisée. Elle a démontré un démarrage par vent très faible et aucune vibration par vent très fort. L'aérogénérateur BSB aura des applications multiples, pour alimenter des immeubles de bureaux ou d'appartements, pour réduire la facture énergétique d'entreprises ou d'usines. Elle permettra aussi aux promoteurs immobiliers d'intégrer l'énergie dans leurs projets. Il y a environ 27 000 communes de moins de 1 000 habitants en France et de nombreuses propriétés isolées qui pourraient s'équiper de mini-centrales d'aérogénérateurs BSB. Notre machine se monte et se démonte rapidement. Elle pourra donc équiper les chantiers et les bases de vie. Elle verra aussi sa place sur les grands toits, tels que centres commerciaux, hôpitaux, hôtels, bâtiments publics, etc. Aérogénérateur BSB sera aussi une enseigne publicitaire, dynamique et productive. Depuis peu, Jean-Christophe de Lustrac, 40 ans, ingénieur art et métier, m'a rejoint dans ce projet. Nous sommes aujourd'hui à la recherche de partenaires investisseurs pour la création de l'entreprise BSB Engineering, dont le rôle sera la fabrication du prototype et la validation du produit, puis la constitution d'un réseau de distribution. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'en suis sûr, à bientôt.